Hey Arnaud, une chance qu'on ait eu cette récup-là, parce qu'au début, j'étais vraiment bloquée sur la colonisation de la Vitimiscamère. Il y a encore une question qui me trotte dans la tête. Toi, là, est-ce que tu sais comment les premiers colons vivaient-ils? Mais pourquoi tu me sais? J'ai pas écouté, là. Mais quand la prof parlait tantôt? Ouais, sur l'examen dans une semaine. Non, pas un examen, là, en plus. Mais c'est même trop dur. Là, t'as-tu une solution pour moi, en plus, à un examen? C'est même trop difficile. Mais en pensant à ça, oui, j'ai une solution pour toi. C'est quoi? La solution est... La solution est une machine à voyage dans le temps, ou plutôt une chaise à voyage dans le temps. Ça va pas la tête? Mais non, j'ai du bois, du métal, et même des chaises. Mais là, pas besoin de chaise de grand-mère pour étudier. Moi, je vais aller chez moi. Je vais étudier avec mon ordinateur. Ok, ben ça sera pas de ma faute, c'est cher. Je vais venir t'aider, mais c'est mieux de marcher. Ok. Vas-y, Arnaud, tu peux mettre le turbo, le moteur là. Ok, voilà. Je l'ai visé, puis il est fait, tu peux monter. Let's go. Ok, t'es prêt? Ouais. 1, 2, 3, 4. Attends, là, ça marche pas. Oui, là, je pense qu'il manque du gaz dans le moteur. Ok, j'espère que tu n'as, sinon je vais couper mon examen. Ouais, je pense que j'en ai encore du genre. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Ok, je te répète une deuxième fois. Est-ce que tu es prêt? Ouais. 1, 2, 3, go. On est-tu arrivé, man? Je pense que oui. Let's go, là, on va aller voir ça. Une chance que j'ai enlevé mon coton été, il faisait tellement chaud. Ok, est-ce qu'on parle à la prochaine colonisateur? Donc, s'il y a vraiment. Sinon, je vais couler mon examen, là. Ça tente pas, hein? Ok, ben moi, j'ai une idée. Genre, on pourrait se séparer les deux pour trouver un colonisateur ou quelques d'autres personnes qui pourraient nous aider sur, à répondre à notre question sur comment que les premiers colons vivaient-ils. Ouais, bonne idée, on change ma carte. À 4 heures, pile. Ok? Ok. Ah, il y a une maison là-bas, il y a peut-être des habitants dans ce secteur. C'est qui toi? Je m'appelle Médéré. C'est moi une bonne nom ça? Ça serait un bon nom pour mon enfant ça? Tu fais quoi ici? Moi je veux en savoir plus sur ton métier. Moi je suis un agriculteur ici. Ici c'est mon super gros champ comme que tu le vois. Ouais. Je vais pousser des carottes comme ici. Des tomates, du blé pour faire du super pain que ma femme est en train de faire. Est-ce que tu voudrais goûter? Oui, s'il te plaît. À quoi? Une tomate, s'il te plaît. Tenez. Merci. Délicieux. Alors, par là-bas, c'est les enclos qui a tous mes animaux, comme mes vaches, mes poules. Voudrais-tu voir ça? Ok. Ok, ça va venir. Ici, c'est mon enclos pour les vaches et les poules. Donc, je vais aller traire les poules pour du bon lait pour se planter. Ça va-tu pas avoir des bonnes carottes? Tu veux-tu me récupérer? Non, malheureusement, je peux pas. Ok. Peut-être un autre fois. Ok. Bye. Bye. Bon, je vais m'en profiter pour aller chercher mes œufs et traire mes vaches. Là. Let's go, là, il doit y avoir quelqu'un par ici. Non, on passe par là-bas. C'est quoi qui s'est passé? Écoute, mon bonhomme, ici, c'est... On coupe du bois, t'es dans une zone de coupage de bois. C'est dangereux. Ok, puis il va où le bois? Il s'en va à la Syrie pour les colons. Ok, est-ce que c'était ça la même chose quand vous avez construit des canons pour venir jusqu'ici?
c'est vous aussi, c'est vous. Vous avez participé à ça aussi? Oui. Ok, alors vous avez vous êtes venu en canot, il y avait toutes les personnes qui sont venues avant vous. Les explorateurs qui sont venus ici pour creuser dans le sol s'il y avait des minéraux et exemple de l'or. Puis la terre était fertile, je pense. Ouais, exact. Ok, mais il faut vraiment que je parte, qu'il arrive le 4 heures pour que je rencontre quelqu'un. Ok, mais reviens plus ici, hein. Oui. Bye, mon bonhomme. Bye. Allez, ah, un coup de moche, est-ce qu'on part vite, là? Oui, on part. Vas-y, on se fait marquer. Ah, non. Est-ce que vous êtes de pêche? Non, de pêche, en plus. Bah, ils vont venir avec les moules, ça fait rien. Est-ce que t'es prêt? 1, 2, 3, go! Tu as fini le mettre? Je pense que oui. Let's go! Ah, fait que moi j'ai rencontré un bûcheron dans le passé. Attends, je prends des notes. Fait que tu as rencontré un bûcheron. Ouais. Il est en train de couper les arbres pour l'envoyer à la Syrie. Hein. Puis ben, moi, j'ai rencontré un colonisateur qui avait un immense champ, puis qui faisait pousser du blé, des carottes, et puis d'autres légumes. Cool. Fait que on va chez toi pour se pratiquer pour l'examen un peu. Ok. Let's go. Derek! Merci vraiment pour l'examen. J'ai eu 97%. Ben de rien, moi j'ai eu 100%. Mais la machine à voyager dans le temps, ça se peut que j'apprenne une autre fois si ça ne te dérange pas, là. Ben non, ça c'est à nous deux. Ok, ben je peux-tu jouer avec toi? Ben oui.